une danse avec Marc? Allez! T'es prête? Accroche-toi! De ma vie. Ah, elle était belle celle-là. Je vais lui crier. Ah, t'as crié, t'as fait que ça. J'ai dans l'eau. Crié. C'est bien, Marc, fais fier de toi. Tout le monde a eu plein de vagues, tout le monde a pu mettre en application tout ce qu'on a appris depuis le mois d'avril maintenant. Donc, ouais, c'était cool, il y a des sourires partout dans tous les sens. C'est ma première vague, le dit. Et Marcus vient de prendre sa première vague. Alors là, du coup, on est à l'hôpital psychiatrique Charles Perrins et on va amener les patients faire du surf. Et on a vraiment une belle météo pour faire ça devant vous aujourd'hui. On espère que ça va se lever dans la journée, du coup. Et on espère que ça va se lever dans la journée, mais normalement, ça devrait être bon. Là, on est sur la route, donc avec 5 personnes de l'hôpital, sur la route de Carcamplage. Non, non, là, il pleut, mais on va arriver à Carcamp, il va plus pleuvoir. C'est sûr. Parce que là, ça a été la route, Gabriel. L'activité Océan Église, c'est une activité qu'on a co-créée avec deux ergothérapeutes et toute une équipe pluridisciplinaire qui consiste à emmener les patients près de l'océan. On a fait un partenariat avec une école de surf et on emmène les patients surfer une fois par semaine. On a beaucoup de schizophrénie, on a beaucoup de bipolarité, on a beaucoup de troubles graves de la personnalité. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver une solution alternative qui complète totalement la surmédication des patients en psychiatrie aujourd'hui. J'adore le surf déjà de base. J'en ai fait un petit peu avec mon frère étant jeune. Et ça permet de se relaxer, de se lâcher, de se vider l'esprit. Donc c'est toujours c'est top quoi. Pour le moment, on a des retours plutôt très positifs de la part de nos patients. Donc ça reste subjectif, mais c'est ce qui compte aussi avec eux. On a observé beaucoup moins de symptômes anxieux, beaucoup moins de symptômes dépressifs. Une baisse des addictions aussi, et une envie notamment d'arrêter le tabac parce qu'avec les poumons, la dune, tout ça, ça fonctionnait pas très bien ensemble. Allez William, c'est parti. Il y a aussi un effet de groupe qui est hyper important et un effet sur la relation soignant-soigné qui jusqu'à présent était très très hiérarchique. Nous, on a décidé de mettre tous les soignants à la même échelle, donc en combinaison, à la même échelle que les patients. C'est très déstigmatisant pour eux, donc forcément, ils n'ont pas l'impression d'avoir cette étiquette de psychiatrie malade HP. Donc c'est très très chouette ici. Et puis comme on est un petit village à Carcamp, forcément, tout le monde commence à les connaître au bout d'un an et demi. Tout le monde dit bonjour, demande comment ça va. Et ça, je pense que ça renforce aussi beaucoup l'estime de soi et ça déstigmatise monstrueusement. Bon, il y a des vagues au moins. Bah oui, bah, le soleil va venir. Hein. Ah, on va essayer de prendre des vagues. Tu vas en prendre combien aujourd'hui? La dernière fois, on avait dit quoi? 3 ou 4, je crois. Et là, tu vas en faire combien aujourd'hui? Marc, on fait attention, du coup, on va pas aller trop loin. Comme il y a la marée qui monte, on va avoir l'eau à la tête. Comme je sais que tu vas passer la barre à chaque fois. On fait petit body surf. C'est parti. Allez, go. Allez. Tu veux pas y aller? Non. Pourquoi? Elle est trop froide. Elle est trop froide là? Ouais. Chaque semaine et de voir leur évolution liée à la pratique, même juste à l'environnement dans lequel on est, à l'océan, à la plage, ça apporte énormément de choses, donc ouais, ça nous apporte beaucoup aussi de voir que ça leur fait du bien.
de soleil. Presque. Tu veux que je pose avec les lentilles? Vas-y, accroche tes poignets, avance sur la planche. Allez, c'est parti. Des profils comme Marc, du coup, il va avoir tendance à rester un peu plus près du bord parce qu'ils sont un peu plus limités au niveau de leur déplacement. Du coup, on choisit un support différent et puis on les accompagne vraiment du début à la fin pour le coup, tu vois, pour les lancer. Ça te fait du bien ? Ouais. Il retourne, Marc ? Merci. Ça fait ça. Bravo, Niki. Je t'ai pas trop vu dans l'eau aujourd'hui. Ma reine Dodou. Surfeur Dodou. C'est toi le surfeur Dodou. Là je l'ai. Ça fait vraiment du bien, on se sent libre, les angoisses disparaissent et ça fait vraiment du bien. On a eu l'hôpital qui a débloqué un certain budget pour payer le cours de surf à tous les patients parce qu'on a vraiment milité pour que ça devienne un soin plus qu'une activité loisir et le restaurant est pris en charge par les patients. C'était vraiment beaucoup de joie, on a eu beaucoup de sourires pendant tout le cours et voilà, je crois que tout le monde s'est éclaté. Ça fait vraiment se concentrer, se connecter à l'instant présent. Ça permet d'évacuer un peu tout ce qu'on a en tête sur le moment, de mettre de côté un peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Il y a vraiment cet aspect physique, mental et social. Du coup, on surfe au sein d'un groupe, on rencontre du monde, on met un pied dans l'univers du surf qui est une culture assez particulière aussi, à part on va dire. Et du coup, ouais, je dirais que ça correspond un peu à la définition de la santé, ce que pourrait dire l'OMS, c'est un état complet de bien-être social, physique et mental, pour le coup. Donc c'est vrai qu'en surf, on arrive rapidement à cocher ces trois cases. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir des jolis petits diplômes avec le nom et le prénom pour tout le monde. Bravo William. Bravo William. J'ai un petit Marcus Erka. Ouais. Ça leur met des images en tête, ça leur met même des sons en tête, le son des vagues, des odeurs aussi, l'air marin qui apporte beaucoup pour le corps et l'esprit. Et donc sur des périodes un peu de down, il y en a beaucoup qui repensent à tout ça et qui restent motivés, qui ont envie de revenir justement pour toutes ces choses-là.